Salut, salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Another Homepage. Comme toujours, je suis Niels. Et on se retrouve après une bonne semaine de coupure pour repartir, même 10 jours de coupure, je crois, pour refaire du NetBSD et du package source. Salut à toi, Xavier G, j'espère que tu vas bien. Salut à toi, Chavenet, j'espère que tu as passé un bon week-end. En plus, une fois n'est pas coutume. D'habitude, j'arrive en fin de week-end, et là, on a un jour de plus. En tout cas, en France, demain, c'est férié. Alors, on va mettre ça là. Salut Yanux, bienvenue à toi. Bien, alors, pendant que tout le monde arrive, petit récap de ce qu'on faisait sur cette série de, de streams. Alors, Le principe, c'est quoi? C'est que, en gros, j'ai... Chavenel, le uniquement en France, je ne sais pas. Je ne sais pas si demain, c'est férié ailleurs qu'en France, mais en tout cas, demain, en France, c'est férié. Toujours est-il que, pour en revenir un peu et refaire un petit peu de... Je ne vais pas dire de résumé des épisodes précédents, mais en gros, il se trouve que je fais partie du projet NetBSD et que ça faisait un petit moment que je n'avais pas contribué. Et ce que je me suis dit, c'est que j'allais prendre un peu le temps avec ces streams de me remettre en place un environnement, on va dire, de développement, plutôt un environnement d'empaquetage, on va dire, pourquoi pas de me remettre à contribuer à NetBSD par le biais justement du système de paquets logiciels qui s'appelle Package Source et qui s'écrit PKGSRC. Voilà, voilà. Donc on a fait déjà deux sessions de mémoire. La première, j'avais fait l'install de trois machines virtuelles. J'ai fait un petit peu de comment dire. J'ai fait un petit peu de personnalisation hors stream, histoire que maintenant les trois VM sont normalement assez... comment dire, l'installation de base est faite, j'ai mon compte utilisateur, je peux me connecter dessus en SSH. Plus besoin de garder la partie console locale. Donc là déjà, confort. Mon shell est personnalisé, là aussi, confort, les droits sudo, tout va bien. On est tranquille de ce côté-là. Ensuite, on avait passé un petit peu de temps à faire joujou, à essayer de mettre à jour des paquets existants, mais en tout cas pour le moment, à garder uniquement nos modifications en local, et ce pour une raison un peu circonstancielle, une raison un peu de calendrier, c'est que puisque une nouvelle version de package source est censée sortir bientôt, peut-être vient de sortir, je ne sais plus, j'ai préféré éviter de pousser mes modifications sur l'arbre des sources officiel pour éviter de poser des soucis et de d'enfreindre les règles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, ce que je voudrais faire,
ce que je voudrais faire, c'est d'abord commencer à justement améliorer mon petit confort, d'une part. Et puis ensuite, on verra si, si le freeze de package source est toujours en cours. Et si c'est le cas, on se rabattra sur d'autres opérations possibles. Tiens, d'ailleurs, on va commencer par regarder ça tout de suite. Alors, comment est-ce que je peux vous montrer ça? Hop. On va se mettre ça ici. Voilà. Hop. On va passer sur cette vue. Ok, c'est bon, ça rentre. Voilà. Ah, il y avait un truc freeze status. Hop. Ah, ça y est. On est plus en période de freeze. Donc on va peut-être pouvoir reprendre nos modifs, si je m'en rappelle. Voire peut-être même les refaire. Et pourquoi pas, je vais pouvoir un peu pousser des choses. Mais avant, je vais m'occuper un peu de mon petit confort. Alors, en quoi est-ce que ça consiste ? Mon petit confort. Alors déjà, si le clavier veut bien rester branché, ce sera pas mal. Alors, mon petit confort, c'est que il se trouve que j'ai un NAS à la maison et que ce NAS exporte un certain nombre de répertoires via un protocole d'export. Alors en l'occurrence, je crois que c'est du NFS. Oui, tout à fait, Xavier. Le free, c'est comme pour Debian avant une nouvelle version. Et en fait, chez NetBSD, ça arrive, c'est par saison. C'est 4 fois par an. Quarterly, comme ils disent en anglais. Et donc, on a 4 versions qui sont numéro de l'année, Q1, Q2, Q3, Q4. Alors, là, normalement, je n'ai plus rien. Donc, ce que je voudrais faire, c'est reprendre dans la documentation sur le... via CVS. Alors, là, ils disent via Anonymous, mais... Moi, je vais le faire en authentifié. Ah bah oui, 2021. 2020. Ah oui, non, c'est juste la documentation qui est en 2021Q4, c'est tout. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut... que c'est la dernière. Alors. Moi, normalement, si je fais ça, ce sera authentifié. On va espérer que ça se... Oui, ça se passe bien. Ok, cool. Donc là, normalement, je suis dans un répertoire qui est exporté par mon NAS. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est me connecter sur ma machine nbdev, sur laquelle j'ai aussi, si je regarde dans mon FS tab, j'ai... Alors bon, vous voyez l'adresse IP de mon NAS, c'est pas dramatique. Mais vous voyez que j'ai un petit un Omnil Share NAS. Share NAS. Hop. Et alors... Si je vais normalement dans document project CVS NetBSD, hop, voilà, il y a un répertoire package source qui est en fait en cours de, si je reviens ici, qui est en fait en cours de mise à jour. NetBSD, c'est une distrib assez classique, pas spécifique, type. Non, en effet, c'est un BSD, j'ai envie de dire, c'est un BSD à usage général. Il y a même des gens, ce n'est pas mon cas, mais il y a même des gens qui s'en servent comme OS de bureau. Perso, ce n'est pas mon cas, mais je m'en sers au moins en tant que serveur web en machine virtuelle. Mon blog tourne sous NetBSD. Et je crois que j'ai oublié de mettre certains trucs. Alors, je demande un petit instant. Voilà, hop. Et si je reviens ici, voilà, on va pouvoir faire ça. Alors, autopsie, quel est le thème aujourd'hui ? Le thème aujourd'hui, NetBSD. Je continue à agrémenter mon petit confort d'environnement de pactage pour NetBSD. Et puis ensuite, j'espère avancer dans mes contributions. Donc je vais faire du packaging pour NetBSD en gros. Pour revenir à la question de Yanux, donc effectivement,
NetBSD est un BSD, on va dire, généraliste, au sens où tu peux t'en servir comme serveur, c'est mon cas. C'est-à-dire que je m'en sers comme serveur web, je m'en sers comme serveur DNS, principalement. Je m'en suis servi comme serveur DHCP aussi, dans le passé. Même en boot PXE, entre guillemets, serveur de boot PXE, je veux dire, au sens où j'avais mis le TFTP, le petit TFTP pour pouvoir démarrer des trucs sur le réseau. Ça n'est pas spécifique comme PFSense ou TrueNAS. Il existe un produit qui est spécifique et qui est basé sur NetBSD, et ça s'appelle G4U, Ghost for Unix. Alors, G4U. Hop. Oups, c'est pas ça. Alors, Ghost. Je vais le refaire. Hop, Ghost for Unix. Hop. Voilà. Je vais le mettre dans le chat, et je vais en profiter pour les mettre dans les liens du live. Hop, lien du live. Hop, on va revenir sur le terminal. Et alors, quand je dis les liens du live, c'est qu'en fait, je viens de copier-coller le lien sur le canal Discord associé à la chaîne, que vous pouvez aller voir par là-bas. Il y a l'adresse du Discord. Et si vous faites point d'exclamation socials dans le chat, vous pourrez retrouver ma page d'accueil, anotherhomepage.org, justement, qui fonctionne sous NetBSD, et vous retrouvez notamment tous les liens vers les réseaux sociaux, dont le lien vers le serveur Discord. Avec un S, socials. Mais je vais peut-être faire un point d'exclamation social pour éviter les soucis. Ça pourrait être une bonne idée, tiens. Merci d'avoir fait le test, autopsie. Je vais rajouter ça tout de suite, tiens, pendant que le CVS update checkout avance. Où est-ce que j'avais mis ça? Alors, je crois que oui, il y a un point d'exclamation Discord aussi. En minuscule. Faut juste que je remette la main sur l'outil. Voilà, exactement, Xavier. Hop, c'est le CloudBot avec des commandes. Allez. Hop. Add commande, point d'exclamation, social, hop, voilà, et ça en fait une de plus. Alors, pendant ce temps, moi ce que je vais faire, c'est que j'ai pas envie d'aller me balader dans des sous-répertoires comme ça à la longue, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Hop. Oula, je suis où là? Ah non, je suis dans mon home, ok. NBDev. Project. J'ai fait un C. Alors. J'ai fait un peu le bazar en plus. Ok. Ok. CVS. J'ai pas forcément très bien fait mon truc. Et on va pouvoir faire ici share NAS, et on a dit document project CVS NetBSD package source. Tac, voilà. Comme ça. On est tranquille. Ce qui va être sympa, c'est que de fait... vu que je serai, comment dire, vu que mon répertoire package source va être exporté depuis le NAS vers mon PC et vers la VM de, on va dire, de packaging, je vais pouvoir éditer directement depuis mon PC mes fichiers, et je vais pouvoir lancer les commandes make directement depuis la VM. Donc comme ça, j'aurai vraiment mon petit confort depuis mon PC. Ce qui veut dire que là, typiquement, je peux echo. Et ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans Project CVS
Voilà. On a dit document project CVS NetBSD. Ah non, c'était un NetBSD minuscule. Hop. Ok. Alors, où est-ce qu'il en est là? Il en est à audio. Mais il avance pas ultra vite, mais il avance. Il avance. Alors, pendant ce temps, je vais en profiter. Je vais en profiter pour faire un autre truc. Alors, la question que je me pose, si je vais sur package source, si je fais slash whip, et je vais vous parler un peu de package source whip. Oh, merci beaucoup pour le follow, Sally Prosper, et bienvenue à toi. C'est gentil. Salut à toi, Nebed. J'espère que tu as passé un bon week-end. Alors, donc, qu'est-ce que package source WIP? Eh bien, WIP, ça veut dire work in progress. Je vais même vous copier-coller le lien dans le chat. Hop là, alors, ici, et puis on va le mettre aussi dans les liens du live. Hop, hop, et on revient dans le terminal. Tu te bats avec Windows, là, tu comprends rien à rien. Je compatis. Je compatis. Alors moi récemment, c'est pas avec Windows que je me suis battu, mais avec une imprimante. Et globalement, c'est l'imprimante qui a gagné. Jusqu'à ce que différents outils de diagnostic et des grands coups de redémarrage de l'imprimante, redémarrage de la box permettent de voir l'imprimante. Alors, PKG-SRC, c'est un dépôt comme un dépôt d'une distribution. Alors, Chavenet, pas forcément. Pas forcément. C'est plutôt comme... comment est-ce que je pourrais comparer ça? Je pourrais comparer ça à Homebrew, en fait, si jamais tu connais un peu. Homebrew, MacPort, ce genre de choses-là. Il n'y a pas de souci, Chavenet. Il n'y a pas de questions bêtes, j'ai envie de dire. Et des questions de débutants, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises questions. Alors, package source whip, allons-y. Package source whip, l'idée... Ah bah voilà, si tu utilises MacPort tous les jours, honnêtement, package source, c'est... je veux pas dire que c'est kiff-kiff bourrico, mais... mais c'est semblable. Tu ne seras pas dépaysé si tu te mets à utiliser. D'ailleurs, pour l'anecdote, package source est dispo pour macOS. Hein. L'avantage de package source, c'est qu'il est portable. Moi, je sais que j'ai utilisé pendant des années package source sur macOS. Alors, pourquoi je parle au passé? C'est juste que pour le moment... j'ai une install de macOS qui est encore qui n'est pas cassée sur un Mac. Puisque mes Mac principaux, mes Mac personnels sont maintenant sous Linux, j'ai encore un SSD avec un macOS qui est fonctionnel. C'est juste que comme le SSD n'est pas dans la machine, forcément je le boot rarement, donc je l'utilise rarement et donc je le mets à jour rarement. Alors, est-ce qu'on peut utiliser package source sous Debian? Oui. Oui, on peut. Package source est utilisable sous tous les BSD, sous Linux, quelle que soit la distrib. Dans une certaine mesure, sous Windows aussi, avec je crois que ça s'appelle Interix, le successeur de Services for Unix. Comme je disais, bah oui, macOS, vu que c'est un BSD. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Minix. Le système de package officiel de Minix 3. C'est packaging et c'est package source. Alors par contre, juste au cas où, après c'est un avis qui n'engage que moi, package source, je trouve, a
relativement peu d'intérêt sous Linux. Je dis peu. Je dis pas que ça en a pas, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas vraiment d'usage me concernant. J'ai pas de raison d'utiliser PacketSource sur un de mes Linux. Alors, Linux sur d'anciens Mac ou sur les nouveaux avec M1 et M2, ça marche bien. Alors, Linux sur des anciens Mac, des Mac de 2012, pour être exact. Yanux. Ce sont voilà, des MacBook Pro de mi-2012, qui donc ne sont plus éligibles aux dernières versions de macOS. Officiellement, la dernière version de macOS, c'est 10.15 Catalina. Pour ces machines, officieusement et grâce à l'Open Core Legacy Patcher, je peux les monter, je crois, jusqu'à Ventura. Il se trouve qu'à titre personnel, je ne possède pas de Mac à processeur Apple Silicon, et donc je n'ai pas essayé PacketSource dessus. Même si, à ma connaissance, c'est compatible. Ah bah voilà, Mac Mini 2014, ça marche bien, voilà. Donc, où est-ce que j'en étais à moi ? PacketSource WIP. Alors, c'est un projet qui a pour but de faire en sorte que des gens puissent plus facilement utiliser PacketSource sans forcément devenir membre du projet NetBSD. Ah bon, on va continuer les questions-réponses. Si tu veux la dernière version de Nginx sur Debian, tu peux utiliser PacketSource. Alors, tu peux. Même si, Chavenet, si tu veux utiliser la dernière version de Nginx sur Debian, dans ce cas précis, moi je t'invite à regarder les packages fournis par Nginx. Ainsi que les packages fournis par... mince, comment il s'appelle ? Ondrej Suri. En attendant de tout mettre sur ton Mac Pro qui a reçu une nouvelle carte graphique. Tu l'as reçu il y a un petit moment, je crois, cette carte graphique, Xavier, hein ? Si c'est bien ce à quoi je pense. Oui. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ça me fait penser que les VM, là, les VM NetBSD tournent sur mon PC. Les habitués de la chaîne savent que j'ai un home lab qui est situé genre par là. Et ce home lab, pour le moment, il attend avec impatience des upgrades. Il se trouve que j'ai une petite problématique de compatibilité de Ventirad. Et que donc, je ne peux pas installer la nouvelle carte mère, les nouveaux processeurs et l'intégralité des nouvelles barrettes de RAM dans le home lab. J'espère faire quelques expérimentations demain. Alors, ce ne sera pas en live, par contre. Concernant des radiateurs et des ventilateurs CPU, j'espère pouvoir avoir un résultat qui me permettra de pouvoir vous montrer le nouveau HomeLab. Alors, autopsie dans la vie, moi je suis admin système, enfin mon contrat de travail dit SRE, mais vous connaissez tous les buzzwords. Utiliser le dépôt de Nginx et si tu veux aussi PHP, MariaDB, ça devient très lourd à mettre en place. Chavenet, tu parles des dépôts des éditeurs ou tu parles des dépôts de Ondrej Suri ? Donc, PacketSource WIP. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Ah, pour les dernières versions. Alors, MariaDB, je ne sais... Alors, je crois qu'avec Debian... Si tu veux des dernières versions, ça va. Je ne sais pas si MariaDB officiellement fournit des binaires pour Debian. Après, est-ce que tu as réellement besoin des dernières versions ? C'est ça aussi, c'est que Debian, pour la version stable, a beau ne pas fournir Debian a beau ne pas fournir les dernières versions, t'as malgré tout des patchs de sécu qui sont là. PacketSource, oui, peut le faire dans l'absolu, mais moi je ne le fais pas. Et pour la question d'autopsie, oui, comme Xavier dit, ça dépend beaucoup de l'expérience et du lieu, mais je gagne bien ma vie. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le domaine, donc ça va. Je m'en sors.
Donc, pour en revenir à mon package source sweep, comment ça se passe? Le principe, c'est qu'à la base, pour être, comment dire, pour faire partie pour faire partie de, comment dire, du projet NetBSD, pour avoir entre guillemets le titre de développeur, il se trouve que c'est, alors je vais pas dire contraignant, mais il y a quand même un processus. Et c'est pas forcément comment dire, c'est, il y a un minimum de choses à faire et ils acceptent pas n'importe qui dit juste je veux aider en fait. Alors Yannux, effectivement les questions sont un peu hors sujet par rapport au stream du jour. Moi ce que je te propose c'est plutôt que tu poses les questions sur le Discord. Et en plus, il y a des gens, comment dire, tu pourras avoir d'autres personnes qui font le même métier que moi. Et donc, tu auras une réponse qui sera beaucoup plus complète. Parce que il y a des gens avec différentes expériences, des gens de différents horizons géographiques, en fait. Mais aujourd'hui, être admin 6, ça paye bien. Ça paye bien, crois-moi. Après, être admin 6, ça dépend aussi du niveau d'études, en fait. Tu as des gens qui ont peut-être juste bac plus 2, bac plus 3, d'autres qui ont bac plus 5, et forcément, leur niveau de rémunération, elle varie en fonction. Pour en revenir à PacketSource, donc comme je disais, NetBSD, le projet NetBSD, peut pas juste accueillir les gens qui disent comme ça je veux aider. On peut pas leur donner des droits de modifier le code source pour aller faire des modifs comme ça à n'importe qui en fait. Et donc ces gens pour se faire la main potentiellement avant que leur contribution soit mise au projet, et ben pour la partie packaging, on a créé Package Source Sweep qui est dispo, enfin en gros pour pouvoir y contribuer en fait, et ben il suffit juste de dire moi je voudrais donner un coup de main, voilà ma clé SSH, ma clé publique bien entendu, quelqu'un qui gère le dépôt Package Source Sweep va ajouter la clé et on va pouvoir faire des modifs dedans. Et comme Package Source Sweep, ça n'est jamais construit au format binaire, et ben ça pose moins de soucis. Non, Autopsie, je n'ai pas bac plus 5 à ce jour. Donc, on a, contrairement au projet Package Source officiel, on a un repo qui cette fois-ci est sous Git, pas sous CVS. Alors pourquoi est-ce qu'il est sous Git et pourquoi est-ce que le package source d'origine est sous CVS? Comme je vous avais dit dans les premiers streams, NetBSD est un projet assez ancien. Les premières versions publiques de NetBSD datent de 1993. Le projet a 30 ans depuis un bon mois, je crois. Je crois que c'était depuis mars, ouais, que le projet a 30 ans. Donc vous imaginez bien que Git, lui, le logiciel Git, lui, n'a pas 30 ans. Et migrer tout l'arbre CVS, enfin tous les dépôts CVS du projet NetBSD de CVS vers un autre gestionnaire de code source. Alors déjà d'une, il faut se mettre d'accord sur le gestionnaire de code source parce que tout le monde ne veut pas forcément de Git. Et ensuite, il faut faire les tests de migration. Oh, t'inquiète Xavier, c'est juste une histoire de chiffres, de nombres. Mais toujours est-il que ce principe, c'est que voilà, CVS aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, les gens qui débutent n'apprennent pas forcément CVS. Les gens apprennent aujourd'hui principalement Git. Et de fait, c'est les gens qui ont décidé de créer Package Source Sweep se sont dit, on va le faire sous forme de dépôt Git. Pour pouvoir faciliter la venue de nouveaux contributeurs qui n'auront pas forcément à apprendre à utiliser CVS. Et après, bah, si ces gens-là se mettent à apprendre CVS et veulent vraiment contribuer, à ce moment-là, bah, ils feront l'effort d'apprendre CVS, ils feront l'effort de créer une clé GPG, ce genre de choses-là.
Donc, eh ben on va récupérer ce code source. Un truc sur lequel je vais vouloir attirer votre attention, c'est le fait que PacketSourceWhip est utilisé comme un sous-répertoire de PacketSource. Alors moi, je ne vais pas le mettre dans un sous-répertoire tout de suite, je vais le mettre ici. C'est chez PacketSource. Eh ben écoute, mkdir PacketSource. Hop. Et on va faire un petit git clone. Alors la question que je suis en train de me poser, c'est est-ce qu'il va accepter, est-ce que... Je ne sais même plus quelle clé SSH j'avais filé au projet. Donc j'espère que... j'espère que ça va bien se passer. Et en fait, ça n'a pas l'air de bien se passer. Et en plus, je suis sur mon PC. Ce que je vais vouloir faire, c'est aller dans... Hop là. On a dit project. Non. Project. Ah oui, document project. Document. Document project. Hop. Et là, CVS, mkdir git. Git package source. Ah oui, c'est vrai que oui, il n'y a pas le moins V dans. Hop. Et on va se faire un petit git clone ici. Remarque, c'est une machine de dev. Donc effectivement, il fallait que je le fasse plutôt ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ln-sv de... Alors, on avait dit share document project git pkgsrc. Tac. Voilà, là, je vais pouvoir git clone. Je vais enlever ça. Je pense que ça devrait passer. Non. Alors, tac. Alors, comment est-ce que je les backup mes clés SSH? Alors, en fait, en termes de backup, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais pas forcément très très bien organisé. Je suis en train de tester en ce moment déjà dupe. En tout cas, côté... Ah oui, si, ça passe. Il a trouvé la bonne clé. J'ai le droit de dire des trucs idiots. Non, autopsie, tu poses pas des questions idiotes. C'est juste que sur la partie rémunération, j'ai envie de dire de façon globale en France, c'est vrai qu'on a, on a toujours un peu de mal à parler de façon ouverte de sa rémunération. Il y a des gens qui y arrivent, moi pas. Je suis pas super à l'aise avec ça. C'est tout. Déjà dupe, avec un A entre le J et le D, autopsie. Oh, ça va, globalement, ça avance. Et là, par contre, ça prend son temps. Je pense que c'est à cause du trajet sur du trajet réseau avec le NAS. Bon, je suis en gigabit Ethernet, hein, mais comme de toute façon, c'est du disque dur rotatif derrière. Tiens, je vais aller jeter un œil. Alors, vous le verrez pas, mais je vais aller jeter un œil à mon NAS. On va aller voir. Normalement, il est pas, il devrait pas être, il devrait pas être en sale état. Hop. Bah tiens, d'ailleurs, je vais peut-être en profiter ici. Hop, déjà dupe. Hop. Il n'y a pas la... app.gnome.org. Voilà. Là, on est bien. Alors, ce qui est un peu dommage... Ah, si, interface. Voilà. Et merci pour le lien autopsie, effectivement. Ça fonctionne aussi, normalement. Oui, bah c'est la même chose, à peu de choses près. Voilà. Hop. Mais voilà, c'est assez pratique. C'est assez pratique, on peut faire pas mal de choses. Est-ce que je l'ai...
Hop. Il va me le mettre où? Il me le met là. Et en fait, ce qui est assez chouette, c'est qu'il propose pas mal de, il propose pas mal de fonctionnalités au niveau, justement, au niveau des emplacements de stockage. Typiquement, moi, les machines sur lesquelles je suis en train de tester déjà dupes, je les fais se connecter en SSH. Et si jamais vous cherchez des outils de backup pour plutôt côté serveur. Des outils de backup. Alors, il existe des outils de backup assez complets, et je dirais même assez complexes, qui vont vous faire des choses assez. Comment dire, vous allez avoir besoin de l'outil de sauvegarde pour pouvoir restaurer. Bah, typiquement, voilà, Borg Backup par exemple. Moi personnellement, un outil que j'apprécie et qui est basé sur AirSync, se nomme AirSnapshot. Et moi, c'est ce que j'utilise pour mes serveurs perso. Parce que, en gros, AirSync, SSH, un compte utilisateur dédié, et puis éventuellement des quelques droits sudo. Et ça fonctionne très bien. Merci beaucoup pour le follow, Almonius. Merci à toi, c'est très gentil. Déjà dupe, pour revenir dessus, ce qui est assez cool, c'est que dans une certaine mesure, voilà, quand on a le truc de restauration, on voit les fichiers comme ça, on a la date. C'est une version, j'aurais tendance à dire, moins léchée graphiquement de Time Machine, pour celles et ceux qui ont connu l'outil de backup d'Apple, qui est assez impressionnant visuellement, mais qui finalement n'est pas non plus révolutionnaire, mais au final Time Machine, ce qu'ils ont réussi à apporter, c'est une interface qui rend les backups, on va dire, en tout cas la tâche de backup, facile à appréhender. Et en fait, pour moi, déjà dupe s'en inspire. Si jamais vous cherchez aussi un autre outil qui peut s'avérer relativement simple à mettre en œuvre pour du backup serveur, si AirSnapshot ne vous convient pas, sachez que DejaDupe est basé sur un outil en ligne de commande qui s'appelle Duplicity. Hop. Alors non, c'est pas un film que je veux. Software. Hop. Voilà. Duplicity.gitlab.io. Alors. Donc. Hop. AirSnapshot. Je vous mets dans... le hop et là comme ça c'est fait, voilà, voilà. Mais voilà, franchement, pour l'anecdote, dans les tests que j'ai fait sur DejaDupe, j'ai sauvegardé un ordinateur portable, j'ai sauvegardé un bon nombre de fichiers, enfin en gros j'ai sauvegardé quasiment tout le slash home, et ensuite j'ai restauré sur une machine fraîchement installée, une partie de ce slash home. Donc c'était assez chouette parce que genre j'ai restauré mes fichiers Firefox, mes fichiers Thunderbird, et paf, je recliquais sur Thunderbird, j'avais tous mes mails, je pouvais relancer une synchro des mails, c'était à jour. Firefox, j'avais tous mes profils, tous mes bookmarks, c'était nickel. Bien, alors où est-ce qu'on en est? On a notre repo package source whip qui est prêt. A priori, le package source officiel, il n'a pas fini. Ce que je vais aller faire, c'est que maintenant que je suis ici sur la VM de test, on voit bien que j'ai un whip. Oh là là, oui, voilà. Ok, hop. Ce que je voudrais faire, c'est aller maintenant dans CVS package. NetBSD package source. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ln-sv git package source whip. Voilà. Donc de cette façon, j'ai mon répertoire whip qui est dans package source.
Alors, il n'y a pas de souci quand tu copies une partie du home. Alors, en fait, je me suis limité à certains trucs que je maîtrise. C'est-à-dire, bah, typiquement, le répertoire Firefox, le répertoire Thunderbird. Je sais. Non, j'ai pas fait de test complet du de la restauration du tool slash home. Mais à partir du moment où tu restaures juste des fichiers que tu maîtrises, il n'y a pas de souci. La problématique, je pense, que tu veux soulever, c'est si jamais dans les fichiers, notamment tous les fichiers cachés, les fichiers de configuration, tout ce qui commence par point quelque chose. Alors, pour ce qui est de certains paramètres, j'ai créé un dépôt Git dans lequel j'ai toutes mes customisations. Type mon point bash RC, ma customisation justement du prompt. Tout ça, c'est dans des fichiers qui sont de toute façon sous un repo Git. Donc de ce côté-là, je maîtrise, en fait. Après, tous les trucs qui potentiellement sont des choses qui sont du paramétrage de l'environnement graphique, par exemple, c'est pas forcément des choses que je restaurerais si jamais j'avais besoin de restaurer un backup. Ou alors, je restaurerais l'intégralité du répertoire home. Bon, on va aller dans WIP et puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Puisque de fait, maintenant, WIP est un peu comme une catégorie de package source. Tiens, il y a un Acme client. Si je suis un git lg, est-ce qu'on a des choses? Ouais. Alors, il y a un LibreSwan. Ah, Terraform Provider Future. Donc là, je suis en train de voir les derniers commits, en fait. Alors, juste au cas où, est-ce que par hasard, j'avais laissé traîner des choses dans Package Source WIP? A priori, on n'a pas laissé traîner grand-chose. Je n'ai pas laissé traîner grand-chose. Je sais que j'avais une version de test de Logrotate qui traînait. Mais a priori, je suspecte qu'elle est dégagée. Hein? Ah si, il y avait des plugins Cacti. Sauf que j'ai arrêté d'utiliser Cacti, donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. ASQL, je m'en suis finalement jamais servi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? DHCP, DSNMP, le code source a disparu, donc faudra peut-être que je l'enlève. Descan, je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce serait. Ah oui, bah si, logrotate-git, tiens, il traînait là. Mashpodder, ça je m'en sers plus. Ça c'est juste c'est juste un heureux hasard. Mono what? Ouais bon ok, ça c'est pas moi. P5 web service. Ouais. C'est pareil, c'est coïncidence. PHP malware finder. Ah ouais, tiens, PHP malware finder. PHTML, PMLQ. Pisferme, je m'en sers plus. Pscanless, qu'est-ce que j'ai fait de ce truc? Alors, Sailor, ça c'est un truc à inil. Mais finalement, le packaging s'est avéré un petit peu plus. Ah, ça c'était pour tester la vulnérabilité Slow Loris. Bon, je sais pas si c'est encore réellement utile. Je ne suis pas Nils Carson. UptimeD. Zmap. Mais Zmap, ça marchait pas sous NetBSD, donc c'était un peu dommage. Zmap, c'est un scanner de port qui est fait pour être ultra rapide. Alors, ce qu'on pourrait faire... si... Il en est où, lui? Il en est à Devil. Il avance pas ultra vite.
J'aurais peut-être dû d'abord faire un CVS checkout en local et ensuite déplacer dans le NAS. Parce que niveau IOPS. Après, le NAS, il est loin d'être. Il n'est pas non plus ultra utilisé. Il faut arrêter d'utiliser 386. Ah, alors non. Alors pour l'anecdote, même si c'est une bonne blague le coup d'arrêter d'utiliser des 386, pour l'anecdote, ici je suis avec un Xeon E3 1246 V3, donc mon PC a un Xeon équivalent Core i7 de 4ème gen. Et si je vais sur mon NAS. Ah oui, c'est vrai que DMESG pipe grep CPU 0. DMESG. Ah tiens, il n'y a pas de fiche tralar. Dépréqué. Oula. Je crois que mon DMESG, il a... il a pris cher. Est-ce que j'ai... Bon, vous voyez que j'ai un trou NAS. Est-ce que j'ai un varlog message? Ouais, j'ai un varlog messages. Log file turned. Ah. Alors, BZ... Est-ce que j'ai un BZ4? Ouais, j'ai un BZ4. Allez. CPU, ouais, ok. Non, il m'annonce pas le nom du CPU là-dedans. Oh, c'est étonnant. Normalement, c'est un Xeon aussi. C'est un Xeon aussi. Si je regarde le dashboard de mon trou NAS, c'est un Xeon. Un E3 1220L V2. Est-ce que sous FreeNAS on a le LSPCI mais le LS CPU, non on ne l'a pas. On ne l'a pas le cool geek. Et j'avoue que là sous FreeBSD je sèche un peu. Je le vois sur l'interface web hein, mais je veux pas forcément la montrer. Mais globalement Xeon E3 1220L V2 qui est à 5 à 8% d'utilisation, donc je pense que c'est vraiment juste la vitesse des disques en fait. Plus l'overhead du NFS. Alors, pour l'anecdote, Nebed, le Home Lab actuel... non, CoolGeek sous FreeBSD, visiblement, par défaut. Alors, je pense que je pourrais monter slash proc avec les options Linux. Mais comme c'est un trou NAS, j'ai pas très 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 envie d'aller bidouiller dedans comme ça. L'Exeon de la série 56, j'en ai aussi. Ah bah super, merci Chavenet. Allez hop. Où est-ce que j'en étais? Hop. Alors, sudo. J'ai peut-être pas besoin de faire un sudo. sysctl.hw.model. Ah oui, hw.model. Bah, comme ça, vous allez voir que. Voilà, Xeon. Le hw.machine, vous allez voir ma carte mère sur le NAS. Ah non, c'est juste MD64. Et le nombre de CPU, de toute façon, il n'y en a qu'un. Ouais, bon, alors il dit 4 parce qu'en fait, il y a 4 cœurs là-dessus. Il n'y a pas d'hyper-threading, par contre. Mais j'ai pas besoin de 25 000 threads sur le NAS. Il annonce des choses intéressantes là-dedans. Wow. Ouais, pas mal de choses là-dedans quand même. 4 corps, c'est déjà pas mal pour un as. Oui, oui, oui. Bien, alors.
PHP Malware Finder. Voyons voir où est-ce qu'il en est. Oula. Alors. C'est pas garanti que ça, ça existe en... Si, ça existe encore. Dernier commit, le 22 février 2022. Je vais quand même jeter un œil au commit. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit... un trunas avec ce proc, ça doit dépoter. Alors, faut pas oublier que ça reste un petit processeur qui fait 15 watts de TDP et qui... comment dire, comment dire, j'ai pas de soucis de surutilisation de CPU, en tout cas. Ça fonctionne bien. Aujourd'hui, j'aurais tendance à vouloir lui rajouter plutôt de la RAM ou de remplacer les disques par des trucs plus rapides. Mais j'ai pas forcément les moyens pour passer mon NAS en full SSD. Et puis, honnêtement, actuellement, ça, je m'en accommode plutôt très bien. Donc, est-ce que ça dépote? Disons que le CPU n'est pas un problème. Alors, dernière, sérieux, no release published? C'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Pourtant, j'avais un numéro de version. J'avais un numéro de version ici. Ce qui veut dire qu'il y a eu une release à une époque. Il y a eu une release. Une branche. Ah, ils ont voulu le recoder en Golang, on dirait. Alors, peut-être déjà, je vais vous parler un petit peu de ce petit soft fort sympathique. PHP Malware Finder. Quel est le principe? Alors, j'ai envie de dire, tout est dans le nom du logiciel. L'idée, c'est de chercher des malwares dans du code PHP. C'est-à-dire que bien souvent, quand vous avez des sites web en PHP, vous avez parfois, quand vous utilisez des CMS connus, je pense à WordPress, mais aussi à Drupal ou à d'autres CMS, vous savez que parfois il y a des vulnérabilités et que certaines personnes vont exploiter ces vulnérabilités et vont donc injecter des pages web PHP pour pouvoir ensuite profiter des sites qui ont été compromis. Et en fait, le principe de PHP Malware Finder, c'est que vous lui donnez, entre guillemets, en argument, un emplacement. Et s'il y a des fichiers PHP dans cet emplacement, PHP Malware Finder va regarder le code source PHP et il va chercher des patterns classiques de code douteux. Donc il n'y a pas forcément de la signature virale, mais on s'en rapproche. C'est que par exemple, quand vous avez des pages qui acceptent des requêtes post gigantesques, le truc parle ici de web shell, c'est complètement ça. C'est-à-dire que quand le code d'une page PHP contient un énorme truc en base 64. C'est bizarre. Donc, PHP Malware Finder, s'il voit ça dans un répertoire, il va vous dire le truc là, il a l'air louche. Tu devrais regarder. Alors, Chevnet, ton FreeNAS tourne avec un AMD Turion 2 N54L. Modèle Neo à 2Go, 2, 16Go de RAM. Et c'est la carte réseau 1G qui sature. Ouais. Et encore, pour l'anecdote, moi sur mon NAS, j'ai mis des cartes réseau 10G. Et en fait, quand tu passes en 10G, le problème, c'est plus la carte réseau qui sature. Le problème, c'est les disques qui vont plus assez vite, quand tu es en disque rotatif.
Après, il faut passer sur du SSD. Et encore, si tu es sur du SSD SATA, bah, tu te retrouves limité par la vitesse de la connexion Serial ATA, parce que le Serial ATA 3, en théorie, tourne à 6 gigabits seconde. Je n'ai pas essayé de mettre du SSD en cache. Salut à toi, Fixoula, bah, j'espère que tu vas bien. Fixou qui... bah, tiens, allez, attends, hop. Il est passé où, Twitch? Il est là. T'as un petit shoot-out à Fixou. Hop, voilà. Fixoulab qui en ce moment fait des streams plutôt orientés électronique et console de jeu. Grâce à lui, j'ai pu démarrer un Linux sur une PlayStation 2. C'était assez sympa. Ça m'a fait vachement plaisir. Et là, en ce moment, je crois que tu es en train de réaliser une cartouche pour Neo Geo. Mais je sais plus exactement cette cartouche de jeu, ce qu'elle va contenir. Alors, pour ce qui est de Frinas Trunas, oui, je suis en Red Z. Je suis en Red Z 2. Globalement, ça fonctionne bien. Mais la problématique reste la même, c'est que malgré tout, les disques durs rotatifs ont une vitesse qui est limitée. Et quand bien même, à un moment, t'es limité par le port Serial ATA. Donc bon. Moi, pour le moment, je trouve que mon NAS s'en sort plutôt pas mal. Elle va contenir un jeu normalement. Enfin, c'est en test. Ok, bah c'est cool. C'est cool ça. Donc n'hésitez pas à aller poser vos follow chez Fixoulab. Alors effectivement, Nebed, je parle de disque dur 7200 voire 5400 tours ou entre les deux. J'ai déjà vu passer des disques à 5900 tours minute. Des trucs qui sont justement faits pour être dans des NAS pour tourner mais pas trop vite. Le Red Z ne permet pas, si tu utilises un certain nombre de disques, de démultiplier les connexions et les vitesses. Alors, Yanux, ça va dépendre de ton niveau de Red Z. Donc oui, tu profites quand même de l'agrégat, mais faut pas penser non plus que c'est miraculeux. Quelqu'un a parlé de mettre des SSD en cache. Ce genre de choses-là est déjà beaucoup plus efficace. Après, t'as toujours la problématique de qu'est-ce qui se passe quand tu remplis le cache. Après, tu as le cache en écriture, le cache en lecture. Faut pas oublier le risque de perte de données quand tu as une coupure... Une coupure de courant... non prévu. Bref, toujours est-il que pour en revenir à notre PHP Malware Finder, à la base, la raison pour laquelle j'avais voulu mettre ce truc-là dans Package Source Sweep, c'est parce qu'en fait, à la base, c'est un outil en bash. C'est du script shell. Hein. Hop. Sample utils test.sh. Voilà, PHP Malware Finder. Donc à la base, c'est du bash, et en fait, c'est un wrapper autour d'un outil assez sympa qui s'appelle Yara. Voilà, comme dit Fixou, attention, pour le cache en écriture, il faut des SSD spéciaux, c'est-à-dire des SSD qui sont faits pour soutenir un grand nombre d'écritures dans le temps. Xavier qui a monté deux gros NAS pour un client avec carte RAID et SSD M.2 pour le cache. Il encaisse bien le truc. Tu m'étonnes. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que si le truc n'a plus de numéro de version, il n'y a même pas de tag, c'est chelou cette affaire. C'est un peu chelou cette affaire, et je pense que le mieux ce serait peut-être que je dégage carrément le soft en fait. Je pense que j'étais le seul à intéresser à l'utiliser sous NetBSD et que de toute façon, si je décide de m'en servir, j'irai git clone le truc assez simplement. Donc, je pense que je vais vouloir faire du ménage. Alors,
En fait, il faut un petit SSD et en SLC, c'est la techno des cellules qui peuvent prendre un grand nombre d'écritures. Mais c'est pour utilisation pro. Oula. Hop là. Regardez, normalement il y a un fichier au milieu de tout ça. J'ai juste oublié le nom du fichier. Hop, j'ai loupé. Je l'ai loupé. Hop, Makefile. D'accord, il y a un Makefile. Donc il faudra que je pense à dégager ça du Makefile. Tiens, je vais vous le montrer d'ailleurs le Makefile. Où en gros, voilà, il y a tous les packages. Donc si je cherche PHP Malware Finder, voilà, il est là. Ah tiens, il y a quelqu'un qui a voulu faire un package de clear. Et quelqu'un qui a voulu faire un package de la Foronix Test Suite. C'est sympa. Donc, ce que je vais peut-être faire. Faire un petit VitLG. Comment est-ce qu'ils font les gens quand ils font des... ok. Donc il retire le subdir et à mon avis il doit retirer aussi tous les fichiers. Voilà. Après ça c'est un truc que je pourrais peut-être faire moi de mon côté. Ouais bon d'accord. Forcément. Ouais là je suis sur le. Là, je suis en train de faire un git grep d'un côté et un ls de. Ah si le ls il a fini par répondre. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, log rotate. Celui-là on va peut-être pouvoir essayer de le mettre à jour. On va aller regarder directement chez GitHub. De mémoire log rotate est sur GitHub. Voilà, là c'est cool, là c'est cool, on va pouvoir faire des choses. On va pouvoir faire des choses sympas. Et en plus, je vais pouvoir publier les modifs, et ça c'est cool. Allons-y. Distinfo, makefile, plist. Allez. Donc, le distinfo, pour rappel, donc c'est en quelque sorte les checksums des archives et des patchs pour être sûr que tout ça c'est propre et c'est comment dire, ça permet de s'assurer notamment que les fichiers ont bien été téléchargés. On est à quelle version de LogRotate actuellement? 3.21. Ok. Et la dernière, elle vient du 1er avril. Ok, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'ici sur le PKG Name, on est sur la version 21 et on est en 2023-04-01. Et ensuite, eh ben, on va aller mettre le commit. Hop, le commit qui va bien. Et a priori, le numéro de commit, c'est celui-ci. J'aurais bien aimé avoir l'ID. J'aurais voulu l'ID complet et pas l'ID court. Ah, copy the full chat. Voilà. Tac. Non. Hop. Dans l'URL. Ah, il l'avait mis dans l'URL. Ah non, là j'ai master dans l'URL. Ah, par contre, quand je clique là-dessus, oui, je vois tout le chat one. Effectivement. Bien vu Césaire. Bien vu. Mais on peut le copier directement ici, en fait. Bon, alors, à mon avis, les patchs doivent pas être très, très, très...
what il y a eu des modifs. Non, arrête. Pourtant le. Allez, on reprend. Git. Non, ça c'est bon. Le gh commit. EB94. Ouais, c'est ça, c'est bon. Par contre, tu as pris le dernier commit en date, pas celui qui a fait. Ah oui. Alors cool geek, c'est une excellente question. En fait, là, je suis dans package source whip. Donc, c'est pas forcément des trucs qui sont production ready. L'idée, c'est de montrer un endroit où n'importe qui peut contribuer. Et tant qu'à faire, je me dis, on va essayer de builder la version de test de Loggerotite, en fait. Ce serait peut-être plus sage si je commençais par la full version officielle. Mais je me dis que ça peut être marrant de vous montrer pour faire ça sur package source whip, où en gros il suffit en fait pour contribuer à package source whip, il suffit d'aller sur packagesource.org/whip et vous avez normalement un endroit où il est dit si vous voulez project contact, vous allez voir les gens du projet si vous voulez contribuer et vous dites je veux donner un coup de main, je veux faire des trucs et il va vous dire file-moi ta clé SSH et puis voilà. Je vois qu'il y a des projets similaires, notamment japonais et coréens. Je vous avoue que j'aimerais bien lancer un truc en France, en tout cas en français. Mais pour le moment, la communauté NetBSD francophone est en cours de reconstruction. Hop là. Donc on va essayer ça. Là je suis sur ma machine. Ah oui, ça c'est le. Ça c'est le git grep. Et on va aller. Oup là. Alors. La communauté de BSD française, bonne question, combien de personnes? Je pense qu'on est à deux chiffres. La mailing officielle NetBSD francophone est pour le moins en encéphalogramme plat. Oui voilà, inférieur à 100. Ça c'est sûr. Hein, et on le regarde en ce moment. Alors, Cool Geek, figure-toi qu'il y en a un petit peu plus. Il y en a un petit peu plus. Je peux te montrer ça si je fais est-ce que je peux faire ça? Alors attends, ah zut, j'ai pas ma connexion là. On va faire ça un instant, je vais faire hop. Ah mais moi ça m'amuse Cool Geek hein. Francophone. Voilà. Alors alors je sais plus comment je peux voir dans IRC combien il y a de personnes connectées au chan. Mais bon, alors Pimpin c'est un bot. Hein. Y a Corben, il y a Dame64 visiblement, il y a un Alpha Spy, Dave le Foutre. On va dire 1, 2, 3, 4, 5. Avec moi ça fait 6, avec Emile ça fait 7. Ah ben Corben est un développeur. Alors attention, faut pas confondre avec le Corben de Corben.info. Le IRC de NetBSD francophone, Libera Chat.
Libera chat et non non c'est pas le Corben de Corben.info, c'est un autre. C'est l'IRC 10000. Alors le canal dièse net BSDFR, il n'est pas soumis à ma connaissance aux règles aux règles drastiques de dièse GCU. C'est ça Cool Geek, on note le H. Normalement, il n'est pas soumis à ces règles drastiques. Maintenant, parce que tu peux le voir, hein, regarde là, il y a un gars, Dave le Fou, qui est venu. Alors bon, il y a toujours Pimpin qui est là et qui dit quel OS ont les gens. Mais a priori, le mec tourne sous Linux et bon, ça ne pose pas de problème. Hein. Ah, il a pas l'air d'être co. Non, c'est le film. Ouais. Mais je crois pas que le finnois traîne sur le canal IRC NetBSDFR. Bon, pendant ce temps, moi ce que je voulais, c'était aller dans logrotate-git et on va aller se faire un petit make distinfo. Point, point. Ah mince, il a pas fini de tout récupérer. Ok. Pourtant, quand je vais dans WIP... Est-ce que je me suis un peu... Je pense que j'ai dû faire des bêtises. Remarque ABCDFG. Ouais, il a pas encore fait les MK. Il est un peu, à la traîne, je pense. C'est ça, il a pas encore fait le MK. Dommage. Ah, je suis un peu embêté là. J'aurais dû lancer ce truc là bien avant. Parce qu'en fait, il se traîne, mais d'une force. C'est fou ça. Truc, il est franchement pas rapide. Si je jette un œil à mon à ma machine, ouais bon, ça envoie pas du lourd niveau réseau, hein. Donc c'est alors qu'est-ce que je veux faire avec la commune NetBSD francophone? C'est une bonne question. En fait, ce qui s'est passé, c'est que globalement, on a tous été assez pris, les principaux contributeurs francophones, on a tous été pas mal pris par diverses choses, et de fait, on a un peu abandonné la communauté francophone, et comme c'était un peu nous qui la faisions vivre, assez rapidement, il ne s'est plus rien passé. Notamment, il y avait un peu d'activité au sein d'un site internet qui s'appelle netbsdfr.org. Et en gros, l'idée, la première chose à faire, ce serait de relancer le site. Alors, je suis en discussion avec deux autres personnes, sur ce sujet-là. On aimerait bien refaire le site netbsdfr. Et pourquoi pas ouvrir aux contributions les articles. Ce serait une sorte de blog, en gros. Donc déjà, rien que ça, je pense que ça permettrait de relancer un peu le sujet. Et puis, c'est ça, ouais, pour le moment, j'ai juste... Merci beaucoup, Alain. Salut, Alain. Merci, Alain, qui nous fait un sub tier 1. Alain, qui est toujours présent au rendez-vous. Ça fait 6 mois... sixième mois que Alain nous sub. Et c'est le cinquième d'affilée. Bravo, merci Alain. Pour l'anecdote, même si je ne suis pas du genre à trop réclamer comme ça les subs, je veux que vous sachiez que je l'ai réinvesti dans le... j'ai envie de dire, dans le stream et dans les accessoires et dans le home lab, en gros.
Les derniers matériels que j'ai achetés pour le Home Lab ont été achetés grâce, grâce à des gens comme Alain. Donc encore merci. Merci beaucoup pour votre générosité et surtout la tienne, Alain. Donc en gros, pour le moment, en fait, suite à quelques petits soucis d'hébergement, on a juste mis une page bidon. C'est vrai qu'il faudrait que je la change. L'idée, ça va être de mettre en place un site statique avec un générateur type Hugo, Pelican ou Jekyll. Je sais pas encore lequel, on verra bien. Il faudra juste qu'on prévoie aussi une charte graphique plutôt pas mal, probablement proche de celle de NetBSD. Donc avec du Orange, forcément. Et pourquoi pas faire en sorte que des gens parlent en fait de NetBSD en français. Il y avait eu des articles, notamment dans des magazines. Je pense notamment à Linux Magazine France. Il y avait eu des articles sur NetBSD, sur différentes choses, que ce soit justement l'installation du système. Certaines particularités. J'avais fait un truc sur PXE, moi. Il y en a un qui avait fait des trucs sur genre un firewall, plein de sujets comme ça. Donc il y a pas mal de choses à faire. Astro. Je suis pas sûr de comprendre, Chavenet. Mais toujours est-il que. Astro.build. Ah, il y a un soft qui s'appelle Astro. Ou c'est une catégorie peut-être ? Bon, il y a une catégorie biologie, mais je vois pas d'astronomie. Ah, astro. Ah oui, d'accord, comme un Hugo, ok. Tiens, je vais jeter un œil. Hop là. Build the web you. Oh non, non, alors non, désolé. Node.js, nope. C'est sans doute très bien, hein, mais pitié, non, pas de Node.js. Pitié. Forcément, ça va plus vite que WordPress. Enfin, si tu fais de la génération statique, oui. Mais non, parmi les trucs, donc effectivement, il y a Hugo, il y a Jekyll, Pelican. Sans taper. Alors, Jekyll, si ça se trouve, ça va être pareil. Ouais, allez hop. Ah non, Jekyll RB, donc c'est bon. Si je tape, je crois que c'est Go Hugo. Voilà. Je vais. Hop, et get Pelican. Pour les trucs classiques, assez connus. Alors, pour l'anecdote, hein, Pelican, c'est ce qui est utilisé sur kernel.org. Et c'est plutôt techno Python. C'est ce que j'utilise moi pour mon blog. Blog.anotherhomepage.org, c'est du Pelican. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Non, il est où lui ? Graphics. Attends, il se traîne. Il se traîne, c'est pas possible ça. Mais ouais, il est pas mal fait. Et en fait, kernel.org, hop. Je sais pas si c'est indiqué. À une époque, c'était peut-être un peu plus indiqué. Non. Hop là. Jamstack. Ah oui, je me demande si c'est pas ça le. Il y a des sites de comparatif pour ça, voilà, de générateurs de sites. Après, ce qui se passe, c'est que globalement, je pense que ça va se jouer justement entre Jekyll, Hugo et Pelican pour une raison très bête. Hein, c'est que, comme vous vous en doutez, Emil est dans le coup. Et Emil, lui, il va prêcher pour Hugo. Moi, dans le coup, je vais prêcher pour Pelican. Maintenant, il suffit d'un arbitre et l'arbitre peut très bien dire finalement, on va utiliser Jekyll ou autre chose.
Donc voilà, c'est World's fastest framework for building websites. Je pense que si ça se trouve, ça va finir par, on va finir par regarder les thèmes qui sont dispo, lequel peut être facilement modifié façon NetBSD et puis voilà, hein. Oh, ça va, c'est pas moche. Il y a des jolis trucs, on dirait. Hop, alors. C'est dingue, l'inversion de notre. La version. La version. Ah. Avec un A, pas un. Pour être honnête, j'ai. Le peu que j'ai vu de Node.js, ça m'a jamais. Ça m'a jamais extrêmement emballé. Et j'ai trouvé ça assez, comment dire, assez fouillis, assez brouillon. Typiquement, je sais que, bah tiens, dans les trucs dispo sur package source, alors je sais plus si... Ouais, non, ça, on va pas le trouver. Y avait notamment un petit soft sympa en termes de métrologie, dont j'ai oublié le nom, que j'aimais bien. Et en fait, le problème, c'est que pour le packager pour NetBSD, alors c'est Emil qui avait commencé, et le truc pour le mettre à jour, c'était un cauchemar. Il allait installer des fichiers à lui n'importe où, n'importe comment. Enfin, c'était vraiment impackageable. Enfin, l'ancienne version était facile à packager. Surtout que c'était pas moi qui l'avais faite, mais quand j'ai voulu regarder pour le mettre à jour, quand je me suis rendu compte qu'il avait quelques versions de retard, le truc justement est fait pour être installé uniquement avec NPM, c'était c'était un cauchemar. Donc Chavenet, je sais pas toi toi quelle est ton expérience de Node.js et de NPM, mais la mienne personnellement elle est pas ouf et de fait ça ne me donne pas envie d'aller d'aller en faire énormément. Je tiens pas à télécharger NPM pour savoir si un nombre est pair ou impair en fait. Ah ah ah, le troll. J'ai envie de croire qu'on n'en a pas besoin, effectivement, mais... Alors, pour celles et ceux qui se posent la question par rapport à la remarque de Cool Geek, c'est qu'en gros, dans les packages... dans les packages disponibles pour Node.js, effectivement, il y a une petite bibliothèque qui a l'air d'être très utile et qui permet de vérifier si un nombre est pair ou impair. Le genre de truc qu'on trouve, je crois, facilement ou qu'on arrive à coder facilement avec les bibliothèques standards en Python, par exemple. Pour Go, je sais pas. On a peut-être dû demander ça hier à Emile. Tiens, d'ailleurs, je vais lui faire un shootout parce que bon, on n'arrête pas de lui faire siffler ses oreilles. Hop. Alors, bon, comment est-ce que je vais continuer moi à meubler pendant que ce truc tourne? En fait, j'ose pas le. J'ose pas le. L'arrêter. J'ai envie de croire que ça irait plus vite si je le mettais. Si je le passais directement en local, mais je sais pas à quel point ce serait. Je vais le tenter en local. Je me le mets dans un. Je me mets dans un répertoire temporaire. Mais non, c'est pas ça que je veux. Hop.
sais pas s'il va être d'accord parce que je suis déjà en train d'en faire un, mais... Comme ça, s'il va beaucoup plus vite, ça m'évitera... NPM, la techno est top, mais ce qu'on trouve dans NPM, c'est déprimant. Non, mais je me rappelle plus du nom du soft de métrologie que j'avais utilisé. Si ça se trouve, il a même été dégagé. Il en est déjà à Devil, c'est plutôt beaucoup plus rapide. Hein. Vous voyez la vitesse à laquelle il va en local par rapport à ici où il est en... Là, on est en NFS sur des disques durs et là, je suis en local sur un SSD, donc forcément, ça bombarde. Alors, en fait, je suis assez d'accord avec ce que dit Cool Geek. Moi, c'est vrai que je trouve ça sympa de pouvoir packager facilement. Ce qui m'embête aujourd'hui avec les package managers des langages, c'est que bien souvent, on va se retrouver avec de la compilation. Genre typiquement le CPAN. Le CPAN, bah, j'ai eu une expérience relativement récente avec le... Alors, c'était plutôt avec Meta CPAN, je crois. Où effectivement, j'ai fini par packager tous les modules dont j'avais besoin pour éviter d'installer un compilateur en production. J'ai packagé les trucs en paquet Debian. Alors fort heureusement, il y a une moulinette qui existe, dont j'ai oublié le nom. Mais il y a une moulinette qui existe pour pouvoir facilement passer d'un repo Meta CPAN à un paquet Debian. Donc ça, c'est déjà pas mal. J'espère qu'on le verra, alors sans doute pas aujourd'hui, mais j'espère qu'on le verra avec Package Source. Pour les package managers des langages, il y a pas mal de choses. Je sais que j'ai packagé 2-3 bibliothèques Python dans Package Source assez facilement parce que c'est déjà prévu. Effectivement, mon verre est vide. Donc, autopsie, tu as raison, je vais aller me chercher à boire. On va se faire une petite pause. Pour aller récupérer de quoi m'hydrater. Je vous dis à très vite. Et me revoici, me revoilà. On va se remettre sur la... Oh, t'inquiète, autopsie. En même temps, pour le moment, on a surtout du checkout CVS qui tourne. Donc, c'est au contraire, c'est une bonne idée. Ça permet. Voilà. Hop, de l'eau. En plus, j'en aurais bien profité pour aller récupérer des amandes, mais je n'en ai plus. Bien! On en était où? Oui, je disais que fort heureusement, pour ce qui est du CPAN, côté Debian, il y a des outils. J'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. On va espérer que... Ah bah tiens, il a fini. Voilà, il a fini. Et l'autre, il n'a pas fini. Ok, donc on va faire ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rsync... hop, ici... Package source et on va rsync tout ça point et on va balancer dans on va balancer là non
Non plus. Hop. Et c'est pas le bon, toujours. Putain, c'est bizarre, ça met deux... On va faire ça, R5. Bon, AVP. Package source. Comme ça. Et donc... Project. Ah oui, document. Project. Hop. Et je l'avais mis ensuite CVS, NetBSD, package source. Tac. Voilà. Allez. Là, on passe juste en NFS. On va espérer que ça soit rapide. Là, après, je suis sur du giga et bon, certes, ça va passer en sur du disque rotatif, mais bon. Et puis beaucoup de petits fichiers. Mince alors. Et si on en est qu'à audio, ah, il est en train de tout me re. J'aurais peut-être plus rapidement fait de faire une archive tar et de la balancer sur le réseau pour la détarrer directement sur le NAS. C'est peut-être une fausse bonne idée d'avoir voulu mettre mon répertoire package source dispo sur un cher NFS. Je sais pas ce que vous en dites. C'est quand même bizarre, ça a l'air de se traîner quand même. Là, c'est vraiment l'overhead NFS plus la vitesse des disques, je pense. Parce que le CPU, glandouille. Niveau réseau, c'est que dalle. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire une archive. Et je vais la copier. Je vais la copier direct. Alors, Chavney qui demande si la wishlist est à jour. C'est une excellente question. Je crois que tu es le premier à poser la question depuis très longtemps. Tac, tac. La wishlist n'est pas super à jour. La wishlist n'est pas super à jour. Je ne sais pas ce qui te passe par la tête, Chavenay, mais juste au cas où. Alors, autopsie, la wishlist, c'est le lien de Chavenay. C'est le lien qu'a posté Chavenay, le lien Amazon. Comment ça se fait que je... Hop. Alors, en gros, l'idée derrière cette wishlist, l'idée c'est de... c'est pour les gens qui veulent me soutenir, en fait. Autopsie. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà. Là, maintenant, c'est à jour. Donc voilà, la wishlist, c'est pour celles et ceux qui veulent me soutenir autrement qu'en faisant du sub Twitch, en fait. Et donc, tu peux faire passer... Oh, tu peux faire des... D'accord, c'est que tu as ta propre entreprise. Je vois. C'est pratique.
Bon, en tout cas, si jamais tu en profites et que tu utilises la wishlist, sache que je t'en suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Bien, alors... Allez. Et on va aller le mettre dans... Voilà, ça va aller relativement vite, je pense, de faire comme ça. Tu vas tester car il te propose tes adresses de livraison. On verra si ça fonctionne. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup, Chavenet. Merci énormément. Ok, ça c'est fait. Allez, MV package source, package source-old. tar-xv, xvpf. Bon, en fait, voilà. On saura que la... comment dire, le checkout initial, il vaut mieux le faire en local et ensuite faire une archive et balancer l'archive sur le réseau. Parce que là, de fait, je suis connecté en SSH sur le NAS et je décompresse et voilà, c'est fait en un instant. Donc maintenant, je peux aller dans package source et je peux faire un n-sv de point point slash point point slash git pkgsrc wip. Ok, donc maintenant, si je reviens dans ma VM. Hop, et que je vais dans package source, et que je vais dans whip, et que je vais dans log rotate-git. Donc normalement, ça, on peut éviter de... Ok, là je suis au niveau du git, donc c'est pas un souci. Donc là, si je refais un make distinfo, est-ce que ça passe? Non. Parce qu'il trouve pas le... ok, alors, je vais m'y prendre autrement dans ce cas-là. J'avais pas envie de faire ça, mais on va faire un rm de whip ici. Donc je ne retire que le lien symbolique. Et on va faire un... je vais peut-être faire le mv directement sur le NAS. Voilà. Ok, donc il lui manque toujours un truc. C'est chelou cette affaire. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à voir? Devel, donc ça devel, ok. POPT qui est une dépendance. Alors ce qu'on va peut-être faire, histoire de ne pas s'embêter la vie... Donc j'installe logrotate, mais... Ah, j'avais déjà popt d'installer ? Sudo pkg inls pipe grep, allez, popt. Ok. Bah d'accord, donc POPT est une dépendance pour un autre projet. Ah.
Ok, je... Alors, automake. Autoconf. Allez, on va installer automake directement comme ça. Si je fais un make clean depends, hop, pour virer les pages, enfin pour virer les trucs de dépendance, ok. Ok, donc il y a un patch qui a fail. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui auraient fait des patchs ce que je peux faire, c'est aller regarder ici. CD 6 utils, log rotate. On va aller prendre les patchs du log rotate officiel. Hop, on a quoi comme patch? Allez. Patch-étoile. Et on va aller les mettre dans whip log rotate-git patches. Remarque, ce que je vais faire, on va d'abord effacer les anciens patchs. Parce qu'a priori, il n'y en aura pas forcément besoin. Voilà. Et là, on va pouvoir copier tout ça. Alors, j'aurais pu la faire en rsync, moi, moins delete, hein, mais... Des fois, c'est bien de le faire en deux étapes. Donc, on va reclean et on va faire un make dist info. Comme ça, il va me refaire les checksums des nouveaux patchs. Si je fais un cat de dist info, normalement, il doit me prendre en compte les nouveaux patchs. Alors, patching fail due to modify or broken patch files. Ah bon? Alors, je serais pas surpris que log rotate ait pas mal changé entre temps. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va peut-être aller faire un petit. Si je fais un petit diff moins bu de ce make file là, whip log rotate git. Bah non, make file. Alors. Alors. Use tools. Alors. Le diff, il est entre d'abord mon... Ok, donc en fait, faut que je regarde les moins. Les moins, c'est ce que j'ai dans... Donc a priori, j'ai plus besoin de mettre automake et autoconf. Il faut que je rajoute un as configure. Ok. Bon, le work dir, ça, c'est... il vaut mieux. Donc on va aller faire les petites modifs. Hop. On va aller faire les modifs. Il est passé où mon vieil de... NBDev, mais je voulais être ici. Ouais, VI Makefile. Ah. Ah bah oui, forcément. Forcément. Voilà. Alors, on va aller reprendre. Donc, on a dit que on n'avait plus besoin de
Attends, je peux faire ça mieux en fait. Je peux faire un vim-p de makefile et de sysutils logrotate makefile. Voilà. Donc faut juste que je me rappelle lequel est au bon endroit. Et là, on a le commit, donc c'est la version de dev. Donc a priori, là, donc on n'a plus besoin de ça. Voilà. Ensuite, GNU configure, yes, use libtool, yes, no export cpp, yes. Donc a priori, on n'a même plus besoin de ça. Ok. Oh, je sais pas ce qui se passe. J'aime pas ça. On a les configures env. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? 1, 2, 3, 4 et un arg. 1, 2, 3, 4 et un arg. Et a priori, c'est les bons. Les build def. Puis je vais vous parler un peu de ça. Un peu de tous ces trucs-là. Parce que là, on commence à taper les projets en C. Var base, ok, eg dir message subst. Est-ce que j'avais des trucs en plus là? Il m'a viré les eg dir ou... Ah si, le eg dir est plus bas. Et effectivement, je l'ai un peu abandonné le truc en fait. En fait, ce qu'on va pouvoir faire, je pense, c'est qu'on va pouvoir se débarrasser de globalement tout ça. Voilà. On va aller ici. Et on va faire là. On va tout récupérer. Et on colle. Globalement, ça va être ça. C'est dingue ça, dès que j'écris, il me dit le fichier a changé depuis qu'il a été lu. C'est pas rassurant ça. Est-ce que j'avais pas un... Non, j'ai pas de VI qui traîne. Non. On va revenir ici. Et maintenant. Donc déjà ça. Ensuite, make. Alors, patching fail du tout. Donc, a priori, on a vraiment des patchs qui ont besoin d'être modifiés. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, comment ça? Ah, il n'existe pas. Alors attends, il m'a dit qu'il a balancé ça dans work. Alors attends, si le work est là, je peux le voir ici. Work log rotate. Example. Donc. Ah, il va falloir que je refasse le patch. Alors attends, c'était quoi le patch exactement? Il disait de virer le etc/logrotate.d pour mettre pkg si ce qu'on veut dire. Ok. Thank you.
D'accord, ok. A priori, il y a eu une mise à jour de ce fichier et c'est plus à la même ligne qu'on fait les includes. Puisqu'a priori, le compress était ligne 15, alors que maintenant il est ligne 18. Ah non, c'était le datext. Ah oh, bah sinon, le datext, il est là. Ah mais le il y a eu un, ah oui d'accord, il y a peut-être eu une modi. Oui, il y a eu peut-être eu ça en fait. Remarque, je suis en train de penser à un truc là. On a je peux aller dans work, je peux aller dans. Parce que ça normalement, si je fais un ll-a, en gros, on a fait voilà, on a récupéré. Ah non, c'est juste une archive, hein. Je peux faire un git status là-dedans. Non, je peux pas faire un git status. Il m'a récupéré une archive, il y a quand même des points GitHub ou des trucs, mais. Ok, donc je peux pas. Je pensais. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller directement sur GitHub malgré tout. On va aller regarder dans le repo logrotate. On va aller dans examples. Donc on cherchait le logrotate.conf. Et on peut voir, on peut faire peut-être un petit git blame. Non, le compress, il n'a pas été. Ah, ok. Small wording edge. Non, c'était il y a 5 ans. Sérieux? 27 ans, ça. C'est bizarre. Ah, alors, si, là, ici. 2 years ago. Fixed typo in the example. System-specific logs may also be configured here. Maybe also be. Oh punaise! Ok. Ok, donc ils ont corrigé une. Ouais, franchement, la typo, elle est. Ok. Ok. Alors, je vais y aller à l'arrache. Je vais y aller à l'arrache. On va faire un petit VI de ce bignou-là. Voilà. Voilà. De mémoire, je crois que c'est make. Ah oui, mais je peux pas. Bah oui, forcément. Ici. Ouais, non. Patches part unchanged. Fichtre! Va falloir que je refasse le patch. Oh, la galère. Oh, la galère. Enfin, la galère. C'est juste que parce que je m'en rappelle pas trop, quoi. Bon, il est 20h, d'habitude à 20h je m'arrête. Je vais continuer un petit peu plus, exceptionnellement cette fois. On va en profiter un peu. On va en profiter un peu. Alors. Parce que c'est férié demain. Ouais, exactement, Chavenay. On va en profiter un peu parce que c'est férié demain. Alors, comment est-ce qu'on fait déjà pour les patchs? Bon, déjà, on va faire un petit make clean. Et. Si je fais juste un make, normalement, il va me viander le patch.
Ouais, c'est ça. Allez. Ah non, tiens, il arrive même pas à faire un point slash configure. C'est étonnant, ça. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Ah, ils sont mignons, les petits Kirby. Les petits Kirby en arc-en-ciel. Autopsie. C'est bizarre, pourquoi il me... Pourquoi il pouvait pas faire un point slash configure? Alors, je vais refaire un... Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nv2 patches patch le logrotate.conf. On va mettre ici. Distinfo, je vais dégager ça. Quand open, quand slash config. C'est étonnant. Pourtant, il me l'avait fait tout à l'heure. Applying patch. Ah non, je crois qu'il me l'avait. Je crois qu'il m'avait. Ignoring patch file. Oui, bah oui. Ah, fiche. Juste par précaution, je préfère essayer de nettoyer ça. Voilà. On est d'accord que je n'ai pas de répertoire work. Donc il n'arrive pas à faire un point slash configure. C'est ennuyeux. Donc je vais revoir un peu les deux. Alors, qu'est-ce que j'aurais zappé? Hop, on va le faire en vimdiff. Je pense que ce sera plus simple. Alors forcément, ça, ça change. GH commit normal, master site normal, le work src normal. Et tout le reste est identique. Alors je vais faire un truc. Je vais faire un autre truc de fait. Je vais aller me mettre ici sur la machine de. Non, je. Elle est où la machine de. Non, ça on s'en fiche. Ça, on en a plus besoin. Ça. Project CVS NetBSD package source 6 utils. On va aller dans logrotate. C'est quelle version? 3.18. Bon, elle doit pas être ultra vieille non plus. Si je fais un make clean, ok. Si je fais un make fetch, il va me récupérer le truc, tout va bien. Et si je fais juste un make, normalement il est censé me builder le truc. Il est censé me le builder. Et globalement, c'est ce qu'il est en train de faire. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Ok, donc là, j'ai réussi à compiler logrotate en version 3.18. Donc j'ai un répertoire work, et dedans, ok, et dedans, voilà, j'ai tout mon petit, c'est cool. Vous voyez, j'ai même un binaire logrotate, je peux faire point slash work logrotate. Tac, log rotate, moment version
Voilà. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Maintenant, je reviens ici. Ah non, je suis sur le... Ok. Ici. Donc là, je suis sur la machine de dev. Make clean. Make. Et il n'arrive pas à ouvrir point slash configure. Donc ça c'est config.c, donc a priori c'est pas lié à... GNU configure yes. Donc ça on... Je vais retenter un truc, je vais voir si, si je rajoute ici automake et autoconf et que je fais... Remarque, attends, avant, ce que je peux faire un git diff de makefile, voir mes modifs. Voilà, donc j'avais mis automake et autoconf et j'avais mis as configure. Je vais le remettre. Non, toujours pas. Est-ce que j'ai... Là, j'ai un configure, binsh. Donc le configure.ac, il est en 6.4.4 et le configure, il est en 7.5.5. Et là, non, je suis pas sur la même machine. Autogène, mais j'ai pas de configure. J'ai un config.c, j'ai un configure.ac. Donc il doit me manquer un truc. Donc a priori, ça, ça change rien. Donc. J'ai bien un worksrc. Je vais faire juste la partie extract. Ok. Je ne sais plus si je peux faire make patch. Il a appliqué les patchs. Donc work log rotate. Donc là, là j'en suis juste à l'étape juste avant la compilation. Et là... J'ai un configure.ac, j'ai un autogène.sh. Ouais, bon, alors dans ce cas-là, autant aller lire le README sur, sur GitHub. Download, git checkout, verify and unpack, compiling, libtool make. XZ utils. Comme ça, à la limite, c'est pas dramatique. Compilation. Autoreconf is optional. Il faut from tarball. Ok. Point slash configure make. Ok, donc a priori,
si je reviens ici, non pas ici, ici, je fais un make clean. Donc là, je suis la version stable, la version 3.18. Si je fais un make extract, j'ai le configure. J'ai le configure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a eu un memory leak qui a été corrigé en 3.18.1. Sur la 3.19. Bon, je pense que ce que je vais faire, on va aller ici. On va s'y prendre autrement. Pour le moment, hop, on va commenter ça, on va commenter mon WorkSRC aussi, et on va commenter mon GH commit, et le PKGNime aussi d'ailleurs, ou presque. En fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais passer en 3.18.1. Hop, et ici je peux faire make clean de nouveau, 3.18.1, make distinfo. Donc il va aller me mettre à jour. Voilà. Comment ça dit info and change? Là à mon avis il va pas être très content. Ah non, il a réussi. Bizarre cette affaire. Ah, il est vraiment chelou là. Ouais, il est bizarre. Allez, make distinfo. Unchange, c'est bizarre ça. Alors, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Là, pour le moment, la blague, c'est que je lui demande de me récupérer logrotate 3.18.1, mais il n'a pas l'air de vraiment vouloir. Alors, dist name 3.18.0, ouais. GitHub release, c'est pour ça. Hop, il doit me manquer ça en fait. Voilà. Alors, master site must match github.com/account. Ah oui.
Alors, la raison pour laquelle j'ai le coup des archives, c'est justement parce que j'essayais de récupérer un commit précis pour une version instable. Allez. Tu veux pas me récupérer le... On a bien dit master site GitHub, log rotate. 6 utils, log rotate 3.18.1. On a commenté tout ce qui est GH commit, work src, tout ce qui est dépendant du commit, enfin du d'IDIT commit. Donc ça, normalement, ça devrait marcher. No CVS route spécifiée. Ah oui, je suis dans Git. C'est vraiment bizarre qu'il n'y ait rien recherché. C'est vraiment bizarre. Donc je suis bien sur la machine NBDev. Ça, il me dit bien qu'il y a un broken file, ok. Mais il a même pas fetché le fichier. J'ai même pas de répertoire de temporaire au cas où. Vraiment bizarre cette affaire. Je le regarde en local. GitHub release PKG version norev PKG name. 6 utils makefile. Alors, bah non, c'est pas celui-là. C'est log rotate. Makefile. Hop. Dist name. Oh punaise, je crois que j'ai compris.
Voilà, ici c'est pas PKG name. Ce sera dist name. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Voilà. Et donc là. Ok. Tout de suite, quand on trouve la typo. Enfin, la typo. Non, pas la typo, mais la différence. Donc a priori là la 3.18.1 elle compile. Eh hey, Chavenet, c'est cool. Bravo à toi paquet de source sur macOS. Alors warning nothing changed dans example logrotype.conf le file has no effect. Ok, soit. Alors. Oui, bah oui, forcément, il n'a rien changé parce que. Donc, on va l'enlever. Hop. Et on va le refaire. Alors. Ok, donc là ça a compilé. C'est cool. C'est très cool. Donc je peux regarder mon répertoire de travail. Work, voilà, logrotype 3.18.1. Et on a un configure. Et si je fais un point slash work logrotype moins version. Voilà, 3.18.1. Ça c'est cool. Maintenant. Hop, on va rechanger. On va passer en 3.19. Hop. Alors, est-ce qu'ils ont fait 3.19.0 ou est-ce qu'ils ont fait 3.19 tout court? 3.19.0. Ok. Hop, on met à jour le dist info, parce que forcément le fichier ayant changé, le numéro de la release ayant changé, l'archive n'est plus la même. Donc son checksum n'est pas le même. Et on va pouvoir relancer un make. Et là, on va voir si ça se viande. Ou si ça se gaufre. Si ça se plante, en fait. Mmh. Donc a priori la 3.19, rien à signaler. Work logrotate 3.19. J'ai pu compiler un logrotate. Ok, c'est cool. Donc après la 3.19, on a une 3.20. Et une 3.20.1. Allez. Allez, c'est reparti, on recompile. Enfin, j'ai d'abord bien entendu mis à jour le checksum de l'archive. Mais j'ai tout balancé dans une seule commande histoire de pas me casser la tête. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Je suis content de m'y remettre, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bon alors Chavenet, ça compile vite sur le M1? Parce que j'ai pas la moindre idée d'à quel point ça va vite de compiler package source, en tout cas de compiler des packages package source.
Donc, a priori, bah, on... Hop, tout va bien sur... 3, log rotate. T'as pas encore essayé, ok. Ah oui, pour l'instant, t'as essayé les binaires, c'est ça? T'as dû utiliser les binaires de... Alors, je sais plus si c'est encore Giant qui les compile. Donc ça, c'est cool. Donc, 3.20.1. Hop, allez, c'est reparti. Tu cherches un package que t'as pas à installer. C'est-à-dire un package que t'as pas à installer. Ah, tu veux dire un... T'as pas envie de péter... Ah, d'accord, ok. Ah oui, tu veux éviter d'avoir un package qui soit pareil sur... Oui, tu veux éviter d'avoir deux packages, genre, imaginons que tu es sur MacPort, supposons que tu es déjà installé, je sais pas moi, bah, LogRotate, tu veux pas l'installer sur PacketSource, donc tu cherches un package que tu n'as pas installé dans MacPort pour l'installer sur PacketSource. Je sais pas si tu as déjà installé NeoFetch sur MacPort. Ou alors, sinon, tu dois avoir dans les... tu dois avoir... sysutils... Ah tiens, il n'y a plus OS 10 Info. Il n'existe plus. Un gars qui avait fait un petit programme qui était similaire à NeoFetch et qui s'appelle OS 10 Info. Ah, il a peut-être changé de nom. Voilà, bon, d'accord, ok. Machin d'Akintosh. Bon, à mon avis, le projet... Ouais, d'accord, ok. Bon, ça n'existe plus. Ok, ça va, j'ai compris. Après, je sais pas si t'as installé NeoFetch via MacPort, mais ça peut être une idée. C'est pas très... Ah bah oui. Oui, puis comme tu auras pas cété la crown table, normalement c'est pas gênant. Bref, alors, où est-ce que j'en étais moi? Et bien pendant ce temps, le 3.20.1, il a compilé. Donc c'est cool, si je lance à nouveau mon... Hop là. Ok, donc ça c'est cool. Une fois que ça c'est fait, et ben on va pouvoir attaquer la 3.21. Donc on va vite voir si c'est la 3.21 ou si c'est un ou si c'est l'un des commits qui a suivi qui casse. 3.21.0. Hop, allez. Alors, là, étant donné que tu as fait pkgin, tu as récupéré un binaire. Donc, t'as pas eu à le compiler. Et je doute que tu aies fait un CVS checkout de package source. Si tu as utilisé la procédure de bootstrap qui est officielle... Tu n'as fait que du binaire pour l'instant. Et la 3.21 compile. Ok, c'est cool. Oui, c'est ça, tu as utilisé le truc de SmartOS. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il faut suivre. Et donc, tu as fait donc ARM 11.3+. Et de fait, tu as fait que la partie binaire, en fait. Tu n'as fait que la partie binaire. Et tu utilises Packaging pour installer des packages. Donc jusque-là, tout va bien. C'est juste que pour l'instant, tu as installé que ce qui est binaire. Ok, très bien. Donc, jusqu'à ma version 3.21.0...
ça passe. Maintenant, on va... commencer à refaire des trucs un petit peu plus... corsés. On va refaire disname, pkg name, github release, ça, on va le mettre en commentaire. Qu'est-ce que tu entends par rugueux, Chavenet? GH commit, network src, subst file, pour le moment, voilà. Tu es un peu perdu. Alors, qu'est-ce que tu cherches et qu'est-ce que tu ne trouves pas? Allez, on va repartir de notre côté. Make clean, make dis. Ah, alors du coup, j'ai pu répertoire work, c'est bon? Ouais, allez, make dist info. Ok, make. Avec map, on récupère que des sources et ça compile. Tout à fait, tout à fait. Et là, en fait, c'est un peu comme si tu avais un APT à dispo. Donc, tu n'as pas besoin de compiler. Alors, on va pouvoir aller jouer à la chasse au... au commit. Ouais, 17 commit. Alors, hop. Donc ça, c'est tous les commits depuis... Ah, ok. Donc on va pouvoir aller avancer tranquillement. Et on va mettre chaque commit... Donc 2 janvier 2023. Allez, c'est parti. 2 janvier 2023. 2023 01 02. Et le GH commit, ça va être lui. Et on va aller voir quel est le commit qui met le bazar. Alors, si jamais tu veux compiler avec package source, bah, en fait, il va falloir que tu fasses comme moi, que tu récupères le répertoire package source et qu'ensuite tu mettes. Alors, je suppose que tu dois déjà avoir le compilateur, vu que tu disais qu'avec Macport, t'avais compilé. Donc là, a priori, dès le premier commit, ça se barre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier quel est le commit qui a ramené log rotate. Je vais aller prendre ce commit-là. Ok, bah c'est cool. Alors, j'aurais aimé avoir l'ID complet, mais... Ouais, ouais, il est dans l'URL. Hop là. Allez. Hop, et on va voir, parce que ça, c'est littéralement la 3.21.0. Hein. C'est juste que je vais la mettre en version commit et 13 décembre 2022. Donc, a priori, je peux redescendre ici. On avait dit décembre 13. Hop. Ok, donc il me fait bien dist info et ensuite un make et on va voir ce qui se passe. Alors, quand open.sh. Ah, donc en fait finalement mon problème, il serait peut-être plus. Oui, bah c'est exactement ce qu'il faut faire. En gros, l'introduction, il va te dire, vas-y, tu fais ton petit CVS checkout quelque part. Pense à installer CVS. Pense à installer CVS via, bah, via Packaging.
Ça va t'éviter pas mal d'ennuis. À moins qu'il y ait des, je crois qu'il n'y ait plus CVS hein, dans macOS de base. Hein. Donc pense à l'installer. Et le package. Hop. Le package s'appelle bien CVS. Voilà. Ça va te rappeler des souvenirs. Bah oui, je me doute. Je me doute. Bon, et bah écoutez, moi de mon côté, où est-ce que j'en suis? Et ben, j'en suis à normalement, j'ai exactement la même version que la 3.21 officielle, hein, puisque c'est le commit. Mais visiblement, en récupérant un truc qui n'est pas relisé, il me fait pas de point slash configure. Donc ça veut dire deux choses. Je pense que je dois me tromper quelque part. Alors, ceci étant, attends, il dit quoi dans les, il disait un truc dans le. Oh bah, je t'en prie, Chavenet, je fais pas grand-chose, hein. Mais ça me fait plaisir. Ah, il y a un truc qui disait, quand il disait, voilà, autoriconf. Autoriconf est optionnel si vous avez obtenu les sources depuis le tarball. Et en fait, vu qu'on récupère un ID, on récupère pas le tarball, je pense qu'en fait, il faut faire ça avant le configure. Donc, faut que je rajoute en fait. Faut que je rajoute en pré. Je crois que c'est pré-configure. Je sais plus. Hop. Et il me faudrait auto-reconf. Alors la question c'est which auto-reconf. Ouais, je l'ai. Alors, est-ce que par hasard j'aurais pas un message de autoricon? Est-ce que j'aurais pas des. Alors. MK. Alors. grep-ir autoriconf. Ouais. Donc. autoriconf.mk replace.mk ah c'est autoconf.mk use tools plus égal autoconf, ça va pas permettre d'utiliser, d'invoquer autoconf, autoriconf, by the username bare names. Ok. Donc a priori, il faut que je digue dans les outils, en plus, il faut que j'utilise autoconf. Use tools, ici, il faut que je mette autoconf. Alors, est-ce que je pourrais pas carrément mettre autoriconf, mais... keywords autoconf. Ah non, keywords autoriconf, d'accord. Faut que je mette autoriconf, autoconf, automake. Ok. J'apprends des trucs en direct. Hein. Allez, on tente. On va espérer que cette fois-ci ça passe. Non, il s'est viandé toujours. Quand open.slash configure. Ah mais il aurait fallu que je fasse autoriconf.fiv en fait.
Alors, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des options? Keywords auto et conf, tout ça c'est name, ouais. Tools path, ok. Tools path, auto et conf, ouais, normal. Make flags, tools, depend. Donc ça c'est au cas où on utilise une certaine version d'autoreconf, ok. To make override libtool. Alors. Là, je suis au début. Alors. Est-ce qu'il y a moyen de lui dire ou alors je redéfinis ça et je lui dis au passage -fiv. Hop, ça a marché là. Allez, on va le tenter. J'ai même pas vérifié d'ailleurs. J'aurais peut-être dû lancer la suite de la compilation. Ouais, maintenant à la main, ça aurait été peut-être casse-pied. Non, toujours pas de. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, je pense, c'est aller ici. Enfin, non, pas ici. Ouais, bah, pré-configure, tiens. Et je lui dis auto-reconf -fiv. Et on va faire plutôt un on va faire ça. On va tenter ça. Je sais que c'est débile. Enfin, je sais que c'est débile. On sait jamais, hein. C'est peut-être pas débile. Make. Allez. On sait jamais. Sur un malentendu. Sur un malentendu, ça pourrait passer. C'est qu'il est en train de le faire. C'est qu'il est en train de le faire. Hop. Alors, roulement de tambour. Est-ce que ça va passer? Zut.
Hop. CD. Alors. J'ai un compas. Ah, j'ai un configure. J'ai un configure. Ok. J'ai un configure, j'ai un log rotate, donc je peux faire un point slash work log rotate hop moins moins version et il me dit bien avec le l'ID du commit. Maintenant si je reviens ici et que je lui prends la toute dernière version avec le dernier ID de commit, on va être, ah non ça c'est PHP Memory Finder, hop. Allez, dernier commit de log rotate. Hop. Copier. Donc 1er avril 2023. Donc 2023-04-01. On revient ici. On change l'ID de commit. Salut à toi, Before That. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Alors, roulement de tambour. Donc on a à nouveau le autoriconf. L'autoconf moins moins force, tout va bien. On s'est pas très verbeux à ce moment-là, mais. Si, il y a du monde. Vraiment actif publiquement, une dizaine? Bon bah voilà, qui c'est qui avait posé la question? Bon. La bonne nouvelle, c'est que la communauté peut donc encore grandir. Ok, donc là, on a fait un make et ça s'est plutôt bien passé. Voilà, et la version avec l'ID de commit plutôt que le numéro de version. Donc là, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, hein. Maintenant, il va falloir que je résolve mon petit souci de patch, mon petit patch. Et puis après, je pense qu'on pourra, on pourra en rester là pour ce soir. Oh bah écoute, ça va très bien, Before That. Bon, le git diff, il a l'air d'être un petit peu... ouais, forcément... Et là, si je fais un git diff, bon, tu vas me dire, il fait un git diff dans un share NFS, c'est pas forcément évident. Alors. Si, ça y est, il m'a fait le git diff. Il m'a fait le git diff et... ok. Allez. Alors, ici, je suis en train de faire du pactage, enfin de l'empactage de logiciels pour NetBSD.
Hop. Et en l'occurrence, je suis en train d'essayer de mettre à jour un logiciel qui s'appelle Logrotate et qui permet donc de faire, voilà, de Logrotate, tout à fait, de Logrotate. Donc maintenant que j'ai, donc ça dégage, ça dégage, pouvoir virer les, et donc on va pouvoir remettre celui-ci. Et tout ça, c'est bon. Ok, maintenant. Patches, 4 dist info. Et si je refais un make clean suivi d'un make dist info, normalement il devrait me mettre le patch. Ok. Et maintenant si je refais un make, je pense qu'il va se. Il va chouiner à nouveau comme quoi le patch n'est pas bon. Alors, si c'est dispo sous NetBSD depuis nombreuses années. Before that, c'est juste que j'essaye de mettre à jour vers la dernière version, voire même là je fais un petit peu plus et je tente d'utiliser le tout dernier build le dernier ID de commit, la version de développement de Logrotate, si tu préfères, voilà les derniers commits. Donc, et on a remarqué un truc, on a remarqué que la manière dont j'avais packagé le truc, il y avait besoin de quelques petits ajustements. Et donc, l'idée maintenant, c'est d'aller finir les ajustements pour pouvoir ensuite contribuer ça à la communauté. Alors ça prend un peu de temps, malgré tout. Eh ben, si, c'est moi le mainteneur du package, effectivement. C'est Bibi. Alors, il faut dire que d'autres personnes ont fait des mises à jour ces dernières années, ces derniers mois. Mais là, j'essaye de m'y remettre. Ok. Et il a compilé. Ah, donc finalement, il n'y a pas de souci avec le... Hey, merci beaucoup pour le follow, The Monkey Co. Merci beaucoup. C'est très gentil. Alors. Tu viens de faire corriger un bug IRQ Balance sur Linux. Ah ouais, sympa. Alors là, je t'avoue que IRQ Balance, moi, je serais pas forcément très à l'aise. Déjà, que les choses soient très claires, je suis une quiche Lorraine en C, mais alors bien comme il faut. Merci à moi de maintenir, merci de projet. Bah écoute, je fais ce que je peux à mon échelle, et puis si ça aide, tant mieux. Alors, donc en fait, il n'y a pas de souci avec le patch, ou alors il est, je vais refaire un git diff. Est-ce que c'est parce que je l'avais mis à jour plus ou moins à l'arrache? De façon pas très propre. Il y a une version propre hein, pour faire des patchs proprement dans Package Source. Mais... Je pense que je vais lâcher cette affaire d'avoir mis mon répertoire Package Source sur un share NFS. Je pense que ça ne... Comment dire? Je pense que le confort que ça apporte est largement contrebalancé par la lenteur du truc, je trouve. Donc, ok. Moi, ce que je veux, c'est voir la tête des fichiers de patch. Est-ce que les fichiers de patch... le patch logrotate.conf... Ah, avant c'était un logrotate-default? Non. Patch config. Oui, remarque, j'ai intégré les patchs de... oui, c'est normal. C'est que j'ai intégré les patchs des dernières... ok, donc c'est bon. C'est bon. Ok.
Ok, j'ai tout ça. Très bien. Avant de faire les commits de façon plus ou moins officielle. Ah, je me suis pas fait de... donc il y a un user, mais je n'ai pas de, d'email. Alors, c'était quoi? Git, moins config. Non, je sais plus. Ah, j'ai un trou de mémoire. Git, config, add, email. Hop là. Voilà. Oh là 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 là. Oh, ces histoires de cookies, je sais pas vous, mais moi j'en peux plus. Je vais pas le faire en global. Donc git config user.email. Hop. Netbsd. Bsd.org. Hop. Voilà. Comme ça, c'est juste dans ce repo. Git. Je vais refaire un git status. Bientôt Copilot X qui nous aidera à retrouver les commandes. J'ai pas encore trop regardé cette histoire de Copilot X, mais alors là, en l'occurrence, je suis même pas sur GitHub. Enfin, je veux dire, Logrotite, lui, il est hébergé sur GitHub, mais le repo Work in Progress de Package Source, lui, il est pas sur GitHub. Donc, Git, Git RM, ce truc-là. Voilà, git add makefile distinfo ce bignou là et ce bignou là. Voilà. Je voudrais juste m'assurer que. Donc il faut que je fasse logrotite-git update to. Hop, latest commit. Hop là. Allez, git commit. Ah ouais, non, franchement, je ferai ça hors stream, hein, mais je vais rebasculer du share NFS vers... parce que là, c'est plus possible. C'est pas possible. Alors, donc, on est disait log rotate-git upgrade to latest commit. On va faire version slash commit. Backported also. Merci, merci Xavier. Pas de soucis, mange ton morceau. Et de toute façon, on va aller rejoindre Yorzian, je pense. Ah bah ouais, tiens. Est-ce qu'on va pas lui faire un petit shootout avant d'y aller? Alors, hop. Est-ce qu'il a lancé son live, le Yorzian? Hop. Autopsie, Yorzian, c'est Yves Rougy. Yorzian te passe le bonjour. Ah, bah il vient de lancer son là. Ok, il vient de lancer. Alors je fais le commit et puis on va le raider. Allez, shootout. Ah, bah oui, forcément il a quitté le live. Hop. Mais on va aller le raider de toute façon. Et vous allez pouvoir poser vos follow après. Ou avant. Mais on va aller le voir. Donc, allons-y, also backported patches from main. Alors, autopsie, peut-être, mais ce sera vraiment, vraiment, vraiment en quatrième vitesse, parce que moi aussi, justement, il faudra que je mange un morceau. Backported patches from main package source repo. Hop. À la limite, on va peut-être faire autrement, on va faire from sysutils slash logrotate. Ok. Hop. Donc là, j'ai mon commit. Je vais faire un git pull -r, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont committé d'autres choses entre-temps.
entre le moment où j'avais fait moi mon git clone. Ouais, non, franchement, je vais. Ouais, allez hop, git push. Ça se traîne. Ah, mais. Access denied. Bah oui, normal. Je vais plutôt revenir ici. Hop. C'est parce que je me suis trompé de machine, c'est pour ça. Allez. Si je fais un git lg ici, j'ai bien ça. Ok. Je vais relancer ma commande ici. Juste au cas où. Voilà. Normalement, je dois pouvoir faire un git commit. Bah non, c'est un git push de fait. Hop. Error access denied. Ok. Je pense que c'est parce que j'ai pas dû me connecter avec le bon git remote moins v. Oui, non, je pense que le remote est bon. Hein. Je pense que c'est vraiment. Et salut à toi, Zeuf. Oui, c'est ça. Le remote est bon. C'est juste moi qui dois avoir dans mon point .ssh config. Hop, netbsd. Identity. Ah si, non, pourtant. Ah, ça doit être à cause de celui-là. Hop. Hop. Allez, et si je le fais comme ça. Non, toujours pas. Toujours pas. Jamais utilisé du git de point slash slash. Ça doit être seul souci. Faudrait que je me remette en SSH. Comment je change d'origine là-dessus déjà? Voilà, git remote cette URL. Ok, hop, allez. Cette URL. Et on va lui dire. Bah ça va être SSH hein, normalement. Deux points et on va lui dire ça. Hop. Bah moins push. Et on va lui dire git at. Oui, git at. Oui, ok. Hop. Je suis pas sûr que ce soit. Allez, git at. Tac, 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 deux points. Hop. Ah, il va me dire la même chose. Donc, on va lui dire push. Non, il en veut. Ah oui, push. On va faire add, on verra bien. Hop. Non, il en veut pas. Ah, il faut un nom. Donc, ce sera push. Et bah, c'est origine, en fait. Hop, origine. Parce que c'est nom et URL. Ok, allez. Ok, c'est fait. Git remote-v. Ok, on l'a. Yes. Please make sure you have the code. Ok, très bien. Bon. Et je viens de me manger un too many authentication failures. Ouais, je pense que je me suis trompé dans le. Ah oui, dans le nom du remote. Remote moins v. Ouais, non, origine. Donc, pas en git. Je vais peut-être essayer Nils plutôt. Je pense que ça doit être ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Hop. Et si je refais un git pull moins r derrière. Allez, git, allez. Non, vraiment, franchement, le répertoire package source sur un NFS, mauvaise idée. Ça nous aura fait perdre je sais pas combien de temps ce soir. Je vais changer ça hors stream pour dimanche prochain, histoire que ce soit un petit peu plus rapide. Parce que je sais pas vous, mais c'était pas l'extase. Bon!
Bah écoutez. Hop, ça sert à rien de le laisser. Tenter. Bon bah finalement, j'aurais pas eu besoin de tenter le SSH. Merci The pour le coup de main. Alors, si vous voulez voir la suite, eh ben, ce sera dimanche prochain. Même heure, même chaîne. C'est-à-dire dimanche à 18h, ici sur Twitch. Donc tous les dimanches à 18h, quand j'annule pas les streams pour des raisons personnelles, eh bien, justement, autopsie. Je live donc tous les dimanches de 18h à 20h en temps normal. Là, on a dépassé un peu parce que demain, c'est encore dimanche, entre guillemets. Je m'occupe en ce moment avec ce petit projet de me remettre à contribuer à NetBSD. Sinon, je live aussi les jeudis de 20h à 22h. Et les jeudis, je fais un autre sujet. Je fais pas du NetBSD à ce moment-là. Je fais de l'Ansible avec des conteneurs. Donc on s'amuse, on essaye sur une toute petite VM de caler plusieurs conteneurs avec plusieurs services différents pour voir ce que ça donne en termes d'isolation. Voilà, voilà. Entre deux lives, eh ben je suis dispo sur les réseaux sociaux. Vous avez pu voir ici. Hop, ici plutôt les réseaux sociaux. Vous pouvez faire point d'exclamation socials dans le chat pour voir et pour pouvoir cliquer sur les liens de mes réseaux sociaux. Vous avez aussi ma page perso qui justement reprend tous ces liens-là, qui est tout simplement anotherhomepage.org. Avant de se quitter, on va aller se faire un raid et une fois n'est pas coutume, je vais aller raider Yorzian. Et pour aller raider Yorzian, on va faire Raid Channel. Je vais mettre la page de fin de stream, mais rester juste le temps d'aller faire un petit raid chez l'ami Yorzian, que vous saluerez de ma part. Je vous souhaite une bonne, pas une bonne fin de week-end, mais une bonne prolongation de week-end. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, merci à vous. Ciao, ciao.